Le cardinal Barbarin est rentré d'Erbil en Irak, où il a apporté ce week-end 5000 bougies, symbole du 8 décembre, aux chrétiens persécutés par les islamistes radicaux et qui ont dû pour beaucoup abandonner leur maison. Ils ont tous abandonné leur maison, etc. Il n'était pas question pour eux de dire « Oh bon, finalement Jésus, je m'en fiche et je renonçais ma foi pour mon petit confort ». Ça, c'est quand même un témoignage qui a été stupéfiant. Donc rester fidèle à leur foi, malgré la persécution. Alors bien sûr, avec une grande colère intérieure. L'archevêque de Lyon et sa délégation sont donc allés sur place leur délivrer un message de soutien. C'est un peu comme le roseau sous l'ouragan, il ploie, mais il tombe pas. Et vous aussi, vous subissez un ouragan épouvantable, donc vous êtes écrasé par cette souffrance. Mais nous vous admirons, et je vous promets, il n'y a pas que moi à Rome qui prie pour vous, mais dans tous les coins de l'Église catholique, on prie et j'appellerai à prier pour vous. Le cardinal Barbarin, de retour à Lyon, participe ce soir à la procession du 8 décembre qui part de Saint-Jean pour rejoindre Fourvière.